C'est à 9 full SK en fait. Ouais, bien vu, ouais. Qu'est-ce qu'il raconte, putain, il parle beaucoup, hein. Il y a VTO qui dit à... Il y a VTO qui dit que c'est des rats, ça m'est bien. Merci Jean-Claude ma soeur pour ton sub. Je vous montre pas le chat parce qu'on sait jamais, mais les joueurs LEC ils sont confiants. Ça se fout le tout dans le chat, ça me met bien. Ça me met vraiment bien. Du coup, on a la line-up présumée SK Gaming, présumée. Hein, avec Irrelevant, Isman, Niski, Exakidos qui jouent des trucs dégueulasses. Et qui joue contre Odoamné 113 VTO Comp Trimby. Un mix plutôt de qualité. Freshman. Je suis en train de voir s'il me répond sur WhatsApp Twix. Je crois que le but des matchs, c'est juste que les joueurs s'entraînent et c'est la nouvelle map. Donc c'est une nouvelle méta, etc. Ils testent des builds. Des trucs dans le genre. Merci Aous pour ton prime. Merci beaucoup. J'accepte ce qu'il y a net, ça commence demain, t'as des trucs qui sont l'air fort en sup. Je sais pas mec. Je pense que j'ai pas le chanteur là. Est-ce qu'il y a une lane vraiment intéressante à regarder, ça le truc? Peut-être top en vrai. Bot, il y a une domination, mais c'est normal, c'est niveau 1 de Lucian Nami. T'as Primby Comp qui joue ensemble, c'est... C'est les émotions. C'est les émotions. VTO Niski au mid, c'est les émotions. Relevant to Doamné, c'est un peu moins les émotions. Mais Isma 113. Deux joueurs qui viennent de RL et tout, qui ont grind, c'est les émotions aussi. C'est vraiment les émotions. VTO qui va mourir. Non, il est mort. Oh! Oh, dommage! En vrai, c'était close. Et normalement, il se magaine ça. En fait, t'as plus de flash. Ouais, Boto s'est fait avoir. Il doit pas prendre le bump de Yone, je pense. De Orn, pardon. Bon, il a marché dessus avec la kick. Ouais, Lulu plus Zeri dans les premiers niveaux, ça fait vraiment la différence. C'est vraiment dur à fight, parce que ils ont pris l'avantage sur le niveau 1. Ça joue cette game, ça joue! C'est où cette game? Je crois que ça m'a répondu. Ok, il y a tout ce qui arrive, ça aussi c'est légendaire. Attendez. Tac 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 tac. Hop là. La caméra en mode Pepsi. Ah ça forcément. Il est où? Twix. Sa new map. Oui, sa new map. Tout est nouveau, frérot. C'est ça qui est bien. Je suis en train de le call. Trop proposé pas sur OTP, on met le chill sur les canapes. Bon, c'est pas vraiment une émission qui est pour OTP, tu vois. Puis c'est compliqué à faire. Mais ça pourrait en vrai, très tard avant midi au MG. Mais je te dis, j'ai vu la game, j'ai go, tu vois. Wow, salut Pétron, ça va ou quoi? Ça fait méga fort. Ah ouais? Ça va comme un mec qui vient de se réveiller, mais ça va sinon. Eh bien, c'est vrai, mais on stream hier, d'ailleurs, tu m'as ignoré, bâtard. Quel stream? Bah, hier, quand tu réactais sur les trucs. Bah ouais, bah quoi? Bah, je t'ai parlé, tu m'as pas répondu. Où ça? Bah, sur ton chat. Putain, j'ai le tap, ça a fait bugger les games. Ah, sur mon chat? Non.
T'as fait bugger la game? Non. 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 On touche à rien, moi ça y est, c'est bon. Non, c'est bon. Non, c'est bon, ça revient. C'est bon, c'est bon, ok. Vas-y. Bah merci hein, Petron, hein. C'est grave lourd. Hein. Bah non, mais c'est plutôt pour remercier Apple, c'est pour remercier les joueurs de jouer. Hein. Je sais pas si ça fait bugger mon stream. Ça fait bugger? Bah si ça fait bugger, tu me dis. Hein. Non, 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 mais c'est pas toi qui fais bugger, c'est juste moi qui fais. Tu sais, les alt-tab en général. Bon. Ouais, c'est jamais bon. Mais. Mais je pense que c'est bon. Bon, alors, qu'est-ce qu'on regarde là, dis-moi? Bah, on regarde SK Gaming, mais avec Isma et Niski, qui sont du coup bah, deux joueurs qui filent pour Exactly DOS et Relevant, évidemment. Ouais. On regarde bah, contre Trimby qui rejoue ensemble, qui t'aime beaucoup, toi-même, tu sais. Ouais. Et bah 113 auto amené VTO, c'est stylé, hein. Un petit 113 VTO, ça met bien. Hein. Putain, y a et nouvelle map, évidemment. T'as tout qui est nouveau et tout. Et moi, y a un item qui est broken qui sera pas fait là, qui est l'item AP, la onde orageuse ou je sais pas quoi là. Ouais. Ça se fait pas sur Rumble, c'est du mana, c'est ça? Ouais, y a pas mal de mana, ouais. Du coup, ça se fait moins sur Rumble. Mais par exemple, sur tout ce qui est Syndra, Akali, je l'ai beaucoup vu et c'est vraiment bien broken. Ok. Check, check. Je regarde un peu les runes. Ouais. Attendez, je monte le son de Twix et tout. VTO qui joue un petit Sasuke Yone. Attends, pourquoi Niski joue Horn Mid? Je peux pas monter son son. Une merde. Bah, je sais pas, ils ont même joué Zeri Lulu et tout. C'est particulier quoi. Genre, c'est un bon match-up. Il y a beaucoup de gens qui jouent Horn parce que Horn a l'air d'être broken. Tu sais, vu qu'il n'y a plus le système des mythiques, maintenant tous les objets, tu peux up celui que tu veux et il y a vraiment des objets que tu up qui sont ridicules. Genre, il y a des stats, c'est n'importe les quoi. Les objets que tu veux? Ouais, je crois. Oh le banger! Genre, tu peux up les bots? Non, je pense pas. Mais je crois que c'est ça. En tout cas, j'ai vu des ups de Horn sur des items un peu random qui sont vraiment, vraiment broken. Donc en fait tu up l'item que tu mets en premier dans ton inventaire quoi, comme avant. Bah de ce que tu dis chat, tu peux up une liste énergie élargie d'items quoi. Et franchement les ups que j'ai vus, les stats que ça donne c'est ridicule. Oh et c'est fait exterminer. Ouais ou deux. Ouais. C'est vrai que Kassanté il a beaucoup plus de spots maintenant pour faire ses merdes. Hein. C'est vrai. Puis ça aussi ça change toute la game ça là. Ça bot lane ouais, quand tu domines ça c'est... Bah je pense pour le red side c'est dur quoi en bot lane du coup. Toi qui aspect des pas mal de games là jusqu'à présent, tu dirais que les persos sans mobilité se font hard nerf ou pas? Wow, Niski. Je pense pas, parce qu'il y a beaucoup de gens qui jouent Way et ça peut marcher. Ok. Donc, oula. Déjà qui a envie d'ulti de péter un plomb. Il l'a pas. 113 OMG. OMG. Ah, Niski sur Horn, c'est quelqu'un. Hein. Il a pas tué. Il a envie de crever. Oh non. Il arrivera pas hein. Ce qui oh pas. Oh je lui envoie un message sur WhatsApp instantanément. Oh la game est doomed. Oh la game est boomed. Des barres. Allez je monte le son de Tréton. Hop hop hop. Ok, turbo. Y a quoi d'autre aussi? J'ai vu beaucoup de gens faire Eclipse, ça je sais pas pourquoi. Et là tu vois, donc il fait son thème avec déguisement hanté là. Ça c'est trop bien, j'ai trop hâte. Ouais, ça va être très fort. C'est vraiment bah. trop fort ça. Bah c'est clair que sur Rumble c'est pas mal ouais. Mais Rumble normalement ouais, permaban. Permaban? Ouais. Enfin ou permaban ou permapic quoi. C'est mon patch hein. Il y a quoi d'autre comme folie? Bah, il y a Way qui joue tous pour tester. Ah. Ah. Okay. Ils auraient fait ou quoi? Je pense pas. Qu'est-ce que tu penses des petites bêtes là? Moi, je trouve que ça a l'air super fort les larves. Vraiment, ça te donne des possibilités de push qui n'existent pas en fait. Mais j'ai toujours pas compris exactement comment elles spawnent. Parce que des fois, ça spawn quand tu tapes la tourelle, mais des fois, elles spawnent de manière random. Ah merde, j'ai pas fait gaffe, c'était bien expliqué. Parce que genre vraiment, des fois ça proc vraiment que proche des tourelles et du coup ça te fait une wave qui est plus grosse, ce qui est déjà fort, tu vois. Donc chaque petite bête tank deux coups de tourelle. Ce qui est assez broken. Ouais, c'est un vrai creep en fait.
Moi je pense que c'est vraiment très très fort. Si c'est un split pusher ou quoi Ouais, ça ouais. Je trouve ça déjà bien relou aujourd'hui, alors à demain. Ah là là, le mode spec automatique, hein, quel plaisir. Oui, ça par contre c'est compliqué à gérer. Il va vraiment tenter de donner là. On doit amener OMG. Non, je crois pas. Hein. Ah, il W dans l'equalizer aussi. Ah, il a loupé son coup. Ah, mais il y avait Théo, mais. Ok, mec, j'ai sur des limites. Midif, le midif m'empêche de dormir. C'est la belle vitality. Ben j'ai sur des. Oh, il va. Pardon, de Misfit. Pardon, de Excel. Oh non, il était où? Bah, Excel. Excel. Auto-veto. Ça a pas très bien marché d'ailleurs. Tu vois, et là, ça c'est broken ça. Ce bush aussi il est broken. C'est vrai que pour Orn. Putain, mais pour dive les botlanes. Mais c'est trop facile. Bon, W, DOS. Mais après, la tour est un peu reculée, ça va. Oui. Ils sont dive trop facilement, je trouve. Normalement, ça existe pas, ils peuvent pas tous traverser par là et tout. C'est ça trop fort. Ah, mais j'avais pas vu le petit bush juste au-dessus là. Mais ça, c'est broken. Mais ça, c'est broken. Du coup, quand tu backlag, tu penses que t'es safe. Tu fais genre, il y a plein de fois où les mecs se font surprendre et meurent ici, genre. Ah, c'est peut-être celui-là le banger caché, hein. Ouais, non, mais la botlane, ça change trop. Franchement, quand t'as une botlane qui domine en blue side, j'ai l'impression que c'est crack broken. Et on m'a dit que le Mikael était pas mal. Il a plus de stats et toujours l'actif. 250 PV, 15 CDR. C'est pas mal en vrai. Oh, t'as un compteur de purge réussi, c'est bien ça. On va pouvoir. C'est vrai que c'est drôle. Accuser les gens. Ah, le plus drôle, ça va être les héros de la faille. Hein. Le nombre de fails. Ah oui, oui, j'avoue, en pilotage, t'en as déjà vu des fails? Non, mais y'a eu que des fails. J'ai quasiment jamais vu un mec bien chargé. Non. C'est quoi l'item qui fait Yone, le Yone. Ah oui, c'est broken ça. Ça c'est tellement broken. Oui, stack RM Armand, ouais, c'est ça. Et du coup, il faut Terminus plus Jack Show plus tard. Et c'est grave fort, genre. Du coup, le stack RM Armand de cet item là va avec la Jack Show et c'est grave fort. Et du coup, amplifie le proc de lifestyle ambiant et tout. Exactement. Oui. Ah, ils se font exterminer. Au revoir Excel au dos amené. Et non pas Vitality au dos amené. Pour ça Trimby. Ils se font laver le cul. Après aussi c'est des tryharders les autres là. Je veux dire ce qui est leur composition et tout. Ça se lève à 9h du matin pour être en format 11h pour jouer. Bah franchement ça vaut le coup de tryhard hein. Oui ils ont bien raison. De ouf. Ah mais Zeri aussi, ça doit être oh, l'enfer avec tous les murs et tout. Oh là là. Oh, c'est mis talons et tout. Oh là là là. Tu vas voir, il y a un item. Il y a un item sur Zeri. Mais un item que beaucoup de gens font. Quand tu ulti, t'as plus de move speed, t'as plus de MS et t'as plus d'attack speed et c'est crack broken. Ah ouais. Oui. Non, l'item pour le coup, l'item est vraiment ridicule. Ah. Ah. Bon flash. Dommage. Sans le percepteur, je pense qu'il meurt pas, mais. Sage. Il n'a pas changé, lui. Donc, ça, c'est. Les items support ont. Tous changé, ouais. Maintenant, c'est. En gros, tu les évolues comme tu veux. Après, il y a des évolutions qui sont différentes. Mais tout le monde a les mêmes au début. Et ils ont tous Targon plus Prisoner de Givre, en fait. En termes de passif. Oh, VTO, incroyable! T'as un gamin, Isma! C'est des gamins! Force à lui! Il a trop bien joué, mon Vincent! Pitié, 113, pitié, pitié, le temps, pitié, pitié, pitié! Non! Ok, ça va. En vrai, ça va, il l'a eu au moins. La shock tu out? Mon pote va falloir flasher, hein. Ah, mais je crois que t'es pas safe, hein. C'est vrai qu'il y a un virage ici, quoi. Ah, c'est trop perturbant. Ouais, mais non, 113, putain!
La map est trop bizarre, vraiment c'est difficile de s'y habituer. Ouais. Et quand t'as le Nashor qui spawn, bah voilà. Et après, il y en a que un qui change vraiment. Le nombre de tunnels de barbe que tu vas fail. Mais bah oui. Avec les murs tout fins là. OMG, OMG, OMG. Mais il est archi dessus. Hein. Oh dommage. Merde, ce champion de merde là. Oh là là, petit mouvement et tout. De Chad. Ah, c'est terminé par contre. Faudrait qu'il arrive à shutdown le Xin. Faudrait qu'il arrive à shutdown Isma VTO. Ok. Pas mal, Trimmy, pas mal. Ah, il y a pas d'autre thème nouveau. Et ça, du coup, c'est quoi? Quoi cette merde là? Rêve éveillé. Gagner une bulle de rêve bleu, une bulle de rêve violette. Ouais, c'est le truc de... c'était le truc qui est un peu comme un ami. C'est un peu ton. Un ami. Ah, ils font des items compliqués comme ça. Ah, ouais, t'es peut un peu tout faire. Ouah, c'est tellement FF. Ah, faut tuer Isma, les gars. Ouais, et surtout, Exa, il a 3000 gold dans ses poches. Hein. 600. 600? Ah, ouais, bah, je suis chaud. Attends, j'avoue, moi aussi. Attends, mais il a 6500 gold utilisé. J'ai l'impression qu'il a. J'ai l'impression qu'il a statique depuis 20 minutes. Même pareil. C'est bizarre en vrai. Non mais il a pas 6000. Non, il a pas 5900 gold de stuff là. Non mais je pense que t'as raison, je pense qu'il a un problème. Ouais. Non, le Rumble il fait Liandry et il refait un déguisement hanté. Bah tu peux refaire un item avec aussi. Ah ouais, il y a deux items. Oh, ah, il y a deux items. Incroyable. Je sais plus c'est lequel, mais je sais qu'il y en a deux. Et le build de comp, moi j'ai envie de le report là. Hein. Mais du coup, ils ont changé peut-être les items. Non, pas vraiment. Je pense que les items ADC, c'est là où il y a le moins de changements. Ah ouais. Ça a l'air vraiment très très bad. Hein. En tout cas, les builds et tout. Me perturbe pas du tout en ADC quoi. Oh, ouais, les dégâts qui vont. C'est Riftmaker, ok très bien. Donc c'est Riftmaker l'item que tu peux faire avec le masque aussi. Okay. Et en vrai il va bien avec Rumble. Ah de ouf, de ouf. J'avoue que tu vas t'amuser toi. Bon, après moi je joue mid maintenant donc. Que tu dirais toi aussi que la mid lane est plus importante qu'avant? Il semblerait que oui. Parce que les items mages ont vraiment été tous changés, ils sont tous. Enfin, ils ont l'air d'être tous très forts quoi. Après, je dis ça, mais il n'y a pas de mages dans la game là. Non, mais c'est parce qu'ils sont en train de full troller, mais j'en ai vu beaucoup, beaucoup, beaucoup. Genre des Syndra qui est un of the game. Même Akali, ça a l'air d'être fort. Enfin, en fait, les items AP sont juste forts, j'ai l'impression. Après, il y a des items anti-AP qui sont bien crackbroken aussi. Hein. Bah genre là la capsulaire anti-AP dodo et il y a un autre item là qui donne toutes les 12 secondes un shield magique de zinzin. Genre en gros t'as un passif de Malphite, sauf qu'il est juste shield de Malphite quoi. Ah c'est genre le ah bah tu vois, oh, il charge. Là, 113. Ouais, c'est oh pas là lui. Là. Ah ça donne un black shield quand tu sors. C'est exceptionnel, je savais pas. Non mais c'est exceptionnel ce qu'il va te faire. MVP. Bah en vrai les gens... Voilà. Astralis joue le titre. Si si. Quelle légende. En plus ils ont tué, ils ont réussi à prendre Irrelevant. Faut vraiment qu'ils tuent Isma. Tuer Isma la team. Moi je pense que c'est... Je pense que c'est Trimby qui tue Isma. On va voir. Hein. Déjà Exakit peut-être. Kev et Théo. Oh là là. Ah, il a pas de dégâts. Ils ont pas de dégâts. Qu'on fait rien du tout. Mais il y a une TP derrière par contre. Pas mal. On doit amener. On doit amener le Q3. Il a pas d'ulti. On doit amener. Pour l'e-sport. Oh. Oh la série qui va les kite en plus. Veto il va essayer. Oh. Et la TP dans le dos. Isma est pas mort. Oh le couloir. Oh la bulle. Ah mais pompe a pas de dégâts tout à l'heure, il tape mais il ne fait rien du tout genre. C'est normal, il est en ultimate bravery aussi, il faut aucun effort non. Ah je pense que c'est pas ouf ouais. Après faut bien tester hein.
Après, il est bien en retard aussi, le pauvre. Avec ça, il a lieu. Pareil, compliqué de s'en sortir. Hein. Après, il n'y avait pas un moment où les Luciennes faisaient ça. Si, si, avec Nami, si. Mais en général, tu fais ce build-là, je pense, quand t'es devant. Après, ça doit faire des folies, hein. Niveau combien, Niski? Ok, on va bientôt évoluer. Là. Ah, c'est le Nashor double faille, ok. J'ai envie de voir un red buff, moi. Bon, ça, c'est très classique, mec. Hein. C'est dur à tuer ou pas? Un peu plus qu'avant, mais genre, enfin, tu fais solo tranquille, tu vas juste, ça prend un tout petit peu plus de temps. Ah ouais, ah, non, mais vraiment solo de fou, tranquille. Mais les blue buffs aussi, hein. Ah, boring. C'est pas un dragon, un Nashor, tu fais vraiment 2 secondes. Hein. Juste, ça prend 2 secondes de plus qu'avant, quoi. Ok. Oh putain, elle a réussi. Ah, je pensais que c'était. Bon, quand on m'a dit les mobs sont plus forts et tout, donnent des buffs à tout le monde, je me suis dit, ok, ça va être des mini PV. Pas du tout. C'est limite dommage. Hein. Bah, c'est juste que c'est trop OP, je trouve, d'avoir un red buff sur tout le monde, quoi. Bah, tu sens ça quand même. Hein. Ça dure aussi longtemps, tu dirais? Aucune idée. Bah là, ils l'ont tous. Je pense que oui, hein. Après, je sais pas s'ils ont revu les stats à la baisse, tu vois. Genre, le sustain du red buff, je suis pas sûr qu'il soit aussi haut qu'avant. Par exemple, en light. De toute façon, à partir du moment où ça a slow, mec... Même le blue buff aussi, mana infini pour tout le monde et tout, c'est vraiment fort aussi. Hein. C'est les mêmes buffs. Bah ouais, bah, je trouve que c'est vraiment trop fort. Les mêmes buffs, wow. Et là, tu vois, il a fait l'item... l'item MR, là, où il a un shield de baiser magique, là. Du coup, il a perma ce shield. Du coup, t'as quand même des items qui te permettent de rester autant, quoi. Ouais, c'est... Rookern Kainik. Ok, bon, ça va être dur, hein. Bouclier pour absorber des dégâts magiques équivalent à 20% de vos PV max, donc c'est énorme quoi. T'as 20% de PV en plus en magique quoi. Oh, 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 il a pas de flash? Météo. OMG. Tidor n'est pas mal. Ah, ils se font raccompagner. Odonné, il est derrière, mais il va rien faire du tout. Hein. Oh, il est sur une ward, oh non. Ah, il est sur une ward, oh là là. Moment awkward. Ah, ils sont en train de se faire chasser. Ça va en vrai, ils vont nage là sans aller. Tu penses qu'ils ont les damages 15 000 PV? Non, que la merde. Mort. Ah, il y a une petite game en vrai. Ouais, ça reste Yonis et Junior. Après. Bah, Lucien va scale, hein. Ouais, ça va aller, je pense, ouais. En plus, du coup, dès qu'elle met un spell, genre dès qu'elle lui met un E ou quoi, il y a les effets du mandat et il y a ça en plus. Genre, ça, c'est quand même. L'item support, quoi. Ouais. 90 points de dégâts magiques, hein. C'est beaucoup, hein. Bah, ça a déjà fait 600 de dégâts en plus. Ah, que c'est une pure idée, Lucien l'a mis avec cet item. Oh! J'ai même pas vu. Il l'a démoli. Ah, il y a une ward au moins. Mais il n'y a pas Lucien. Ah, je crois que ça va être compliqué là, Timon. À moins que Centres soit une légende du club. Waouh! Oh! Bah. Oh là là. Il joue moi. Aïe, 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 hyper bot en plus. Ouais, je crois que. Je crois que c'est un cas classique de FFA. Non, peu dodge. Est-ce que c'est plus facile de smite steal? Le pauvre. 113. Ah non! Oh. Météo? Oh. Je crois que ça va GG. Oui, en effet. En plus, c'est vraiment toutes les. Toutes les lanes qui se sont fait doumettre. Terrible, oui. Terrible, terrible. Ils se sont fait exterminer, les pauvres. Attends, il y a la récap. Oh. Pas de chance. 23k. Niche.
Ah, il a fait des dégâts quand même. Avec son Lucienne. Ah, c'est pas. Ouais, mais après, bon, il a beaucoup. Il a pu quand même pas mal taper, je pense, c'est décevant quand même. Si c'est battu en lane de zinzin.